quatre types de pression psychologique. Il existe plusieurs types de pression psychologique, et chacun d'une a ses propres caractéristiques. Sur lesquelles sont bonnes et lesquelles sont mauvaises, nous en parlerons. La pression psychologique est une sensation psychique, le produit de deux forces mentales qui tirent en direction opposée. Ces forces peuvent être de nature très différente, comme des souhaits ou des obligations. On parle d'une situation qui cause de l'inconfort. Ainsi, en principe, on pourrait penser qu'il s'agit de quelque chose de négatif, et cependant, il n'est pas du tout ainsi. Nous avons tous déjà vécu une situation de pression psychologique. De plus, nous avons aussi tous eu le sentiment qu'il nous fallait faire un pas nécessaire auquel nous résistons à l'occasion. D'autres fois, cette pression n'a rien apporté. Le fait est que, comme nous pouvons le voir, il existe plusieurs types de pression psychologique, comme nous l'expliquerons bientôt. Comme le stress, un degré de pression augmente l'efficacité, mais ensuite la relation s'inverse et une pression plus élevée, une diminution de l'efficacité commence, dit Alicia Monteiro. Un premier type de pression psychologique, c'est le type positif. La pression psychologique positive est celle qui nous donne l'initiative. La force affective que ceci a beaucoup de faire. Elle a lieu lorsque les doutes ou la peur agissent comme un frein et qu'une dose d'énergie supplémentaire est nécessaire pour agir. La principale caractéristique de la pression psychologique est qu'elle favorise l'exécution ou la performance. Ce sont des situations qu'une personne doit surmonter pour être meilleure et la fonction de la pression est de la motiver à le faire. Deuxième type de pression psychologique, c'est le type négatif. Il y a une pression psychologique négative. Lorsqu'on essaie de persuader ou de forcer quelqu'un à agir d'une manière qui peut être autodestructrice, l'habituel est que celui qui a pris dépasse son insistance atteignant le résultat. Une pression négative peut également être exercée par une circonstance. Par exemple, lorsqu'une personne est obligée de